Bonjour à tous mes amis, et petite vidéo de journée, on fait le point sur le marché et c'est une chose qui s'est passée dimanche soir au stade au virage pendant le match Inter-Fiorentina. On parle des chics, Ferrer au président de la Fiorentina, de la Sampdoria, il aimerait bien vendre Chic à la Rome, parce que la Rome, lui, c'est un supporter de la Rome, parce que la Rome, il offre un peu plus que l'Inter, c'est-à-dire, l'offre d'Inter-Rome, c'est à peu près pareil, 37-38 millions, la Rome, il offre une prêt avec option, obligation d'achat de 5 millions de suite, et le reste payable en 4 ans. L'Inter offre 2-3 millions de suite, et le reste en payable en 3 ans. Et le point, c'est là, Ferrero, il a préférence pour la Rome. Chic et son entourage, ils ont donné la parole à l'Inter et ils veulent l'Inter. Donc là, les dernières nouvelles, ils disent que ça va décider dans les prochaines 48 heures le destin du joueur. En tout cas, il ne sera pas disponible avant un mois et demi, parce que vous savez qu'il a fait une rééducation. Donc le joueur continue à mettre like à toutes les photos des joueurs de l'Inter. Bon, ça veut dire beaucoup, ça veut rien dire, mais hein, on continue à suivre les joueurs, à mettre like. Voilà, c'est ça, c'est déjà un signe. Pour vous dire aussi que, excusez-moi, le chat est fou, oh là, il me fait mal, mets-toi là. C'est Simba, je dis ciao à tout le monde, Simba, allez, va. Et il s'est cassé la figure ce con-là. Et donc, je disais, l'Inter, c'est Chic, il a donné sa parole à l'Inter. Et il semblerait qu'il maintienne sa parole donnée à l'Inter. Donc, 48 heures, les prochaines 48 heures décisives, le joueur ira à l'Inter. Un signal, notre signe, c'est que la Rome, elle a demandé des informations encore au Sassuolo pour Berardi, et après on parlera de Sassuolo pour un jour de l'Inter, qui peut intéresser l'Inter. Donc, ils ont recontacté, ce soir, les gens l'avaient recontacté pour parler de Berardi. Donc, moi, je suis chic confiante. Même si arrive le 31, c'est pas grave, sinon, je ne vois pas. Donc, il faut que le joueur tienne choc. Il dit non à la Rome. La Rome, elle a donné un ultimatum, même à l'entourage des joueurs, c'est 48 heures. Il y a eu déjà une visite entre la Rome et déjà dans la Sampdoria. Le procureur et Chic, ils n'ont jamais rencontré la Rome et ils évitent de le faire. Donc la volonté des Chic, c'est de venir à l'Inter. Donc on espère bien de le boucler. Je vais parler de Sassuolo parce que une asiatique qui peut rentrer dans le Cannes. Parce que vous savez, Condobia est parti au Valence et on parlera de Condobia aussi avec vous. Il est parti à Valence, il était prêté. Et donc Spalletti, quand même, il voulait avoir dans l'équipe de la Rose un joueur avec des caractéristiques similaires à Condobia, que c'est un joueur musculaire et pas technique, comme je l'ai dit. Il n'y a pas beaucoup de technique. Il a fait une année à Monaco et encore. Bon, bref. Et donc, Duncan, cet truc-là, il peut arriver et aussi pour les listes, pour le championnat. Et pour la UEFA pour la prochaine année, parce que c'est un joueur dans ton équipe qui a fait son apprentissage soit dans l'Inter ou il a fait 4-5 ans ou quelques ans dans l'autre équipe italienne, mais il a fait le secteur génie de la Primavera. C'est important pour la liste italienne pour avoir des joueurs qui sont joués en Italie. Et donc ça rentrera en ces deux optiques. Ça peut rentrer Krikoviak à la last minute. Paris Saint-Germain, il donnerait aussi prêté avec l'obligation d'achat. Et donc, bon, on verra tout ça, c'est des choses à la last minute. Mangala, il paraît-il qu'il va venir. City n'a pas donné ça encore parce qu'il pense de pouvoir le vendre à titre définitif. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vraies offres qui sont arrivées pour Mangala. Mangala, lui, il s'est déforcé la main pour venir à l'Inter. Or, Mangala, c'est pas. Il est grand, il est costaud. Sauf, ça ne me réchauffe pas. Mais bon, lui, il va revenir. Qu'est-ce que je veux dire? C'est venir par la réserve, pourquoi pas. Même seulement, il n'a pas de tête. Il
physiquement, elle est forte, elle est rapide, mais il fait des conneries comme Rano, qui a comme Juan Jesus, on peut entendre comme ça. Mais on a vu Spalletti qui avait rattrapé Rudiger quand il y avait Garcia, c'était une peintre. Et Fazio, quand il jouait la dernière, c'était en Valence aussi, il m'a pas voulu jouer. Je pense que c'était à Valence aussi, il était une peintre. Et l'année dernière, il a fait une super saison avec Spalletti. Donc Spalletti a cette capacité-là. Je croyais que Mangala arrive et devient un nouveau Ronaldo. Ranocchia. Ils disent qu'il y a le Brighton, le Barley, qu'ils ont fait une offre de 6 millions d'euros et lui, il veut aller absolument en Angleterre. On a parlé des Galatasaray encore. On parle d'un échange avec la Lazio. La Lazio veut racheter. Il voudrait acheter Ranocchia. En tout cas, c'est une opération qui va se faire à partir de lundi. C'est pour Ranocchia sorti. Parce que jusqu'à samedi, sera avec l'Inter, puisqu'on n'a pas de remplaçant. Ce sont des défenseurs de rôle qu'on a, mis à part Skriniar et Miranda. On parle aussi d'un éventuel échange Fazio à Ranocchia. Quand Ansaldi, il dit que ça va sortir, maintenant il ira au Genoa et toute la pensée qu'il va retourner à Genoa. On avait parlé une fois des Pellegrini Salcido, les deux attaquants de Genoa. L'affaire est sautée. Peut-être la session du gouvernement chinois, c'est un peu compliqué. Je vous ferai une vidéo par rapport à ça et c'est ce qu'on dit. Parce que le gouvernement chinois a dit à cette entreprise qui les investissent étrangers de limiter leurs dépenses à l'étranger parce que c'est nocif pour l'économie chinoise. Donc, après, sauf cela en plan industriel. Chose qui me semble-t-il le cas de l'Inter, mais je ne veux pas vous dire des choses, encore je ne me suis pas bien renseigné, avant de lui dire n'importe quoi, je vais me renseigner, je vais demander à notre administratrice Francesca, qui est l'avocat de métier, de se renseigner et de me donner. De me dire, c'est ce qu'on doit dire, qu'elle, c'est le fait des métiers, donc il est un peu plus ferré que moi sur ces choses comme ça, avant que je lui dise n'importe quoi. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques à Sanning parce qu'ils ont dit ah, comment ça se fait, ils ont acheté des droits à 1 milliard d'euros au championnat italien, Premier League, Ligue espagnole, championnat de France, Bundesliga. Oui, mais cet achat-là, ils n'ont rien à voir avec l'Inter, ce n'est pas Sanning Inter, Sanning c'est une grosse entreprise, ils ont des autres ramifications. Donc, et c'est une opération qui ça va en Chine, c'est pour le marché chinois. Donc, eux, ils ont une plateforme télévisible du web. Et ils ont acheté les droits par la PPTV, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc les gens, ils s'abonnent. Donc ça reste en tout cas une opération que ça ne sort pas dans la Chine, mais ça rentre en Chine. Donc ça rentrera dans les directives gouvernementales. Donc on fait bien la différence entre ça et ce qu'on dit de l'Inter. Jusqu'à hier, l'Inter, il avait dépensé 80 millions d'euros sur le marché. Que vous le disiez ou pas, c'est la vérité, il y a des dates officielles. Je vous apporterai, si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je l'ai mis sur mon groupe, on a mis des posts sur la page Facebook de ma chaîne, Interista Criticone, channel YouTube. Voilà. Vous allez voir sur la page Facebook, il y a une graphique avec les dépenses de Sanning. L'Inter officialisé aujourd'hui, Bastoni. Bastoni, c'est un jeune défenseur de l'Atalanta qui sort de la Primavera, qui est maintenant la première équipe. Il y avait Caldara qui est parti de la Juventus, c'est un défenseur, ils ont dit que lui c'est beaucoup plus fort que ces gens-là. Et c'est une des futurs meilleurs défenseurs italiens, même pour l'équipe nationale. Donc elle a acheté l'Inter 8 à 10 millions d'euros. Et, à définitive, il reste d'aller prêter à l'Atalanta, et ça va de 8 à 10 millions pour rapport les présences que le joueur maintenant il va faire à l'Atalanta. Plus vous faites des apparitions avec la première équipe, plus match joue, plus Atalanta va toucher ses 10 millions d'euros. Il y a un top de nombre de présences. Pour l'Inter, c'est important, 7 millions de présences, parce que tu vas avoir un joueur qui va faire de l'expérience. Croyez-moi, c'est une des peu jeunes italiens qui est vraiment très fort, très technique, très fort. Un petit Nesta. On espère qu'il va maintenir les expectatives que l'Inter met sur lui, parce qu'on l'a chupé à la Juve, d'autres équipes, même étrangères. Il y avait le Bayern, on l'a chupé à eux, on a aussi à l'Océanie, même entre autres le président de l'Atalanta, Pierre Cassi, les mettons associés avec Sanning pour des constructions idylles, donc ça facilite cette opération-là. Et j'espère qu'il va maintenir
ses promesses à ce joueur, parce que vraiment, il est très bien. Il est très, très, très bien. Dimanche. Virage nord de l'Inter. Un père de famille de 40 ans, il monte au stade avec ses deux filles. Et ça va. Je sais qu'il ne faut pas, y aller. Faut pas y aller dans le virage. Mais le virage, ce n'est pas propriétaire des ultras. Sur le ticket, c'est pas marqué propriété privée. Venez avec un paradon, une casque et une toute par balle. Hein. Et le mec, il a simplement dit à une qui vient à un drapeau. S'appelle Milan Nerazzurra, partie du virage de l'Inter, c'est sur la droite des Boys, à côté, tra l'eau vert de l'eau rouge. Là, il y a, c'est San Siro, là, il y a l'Agno, c'est là. C'est quasiment en dehors du virage. Les Boys sont là, Milan Nerazzurra là, et là, il y a, et là ça dit, ça la différence entre l'eau vert de l'eau rouge. Bref, le garçon, qui a 19 ans, il a l'âge de mon fils, il s'est retourné, il lui a dit, casse pas les coups, va te faire foutre, et je ne lève pas le drapeau. Le père, il m'a répondu. Le garçon est monté, il a fait 2-3 gradins, il a tiré deux droites de la gueule. En descendant les gradins, ce joueur, ce supporter de l'Inter, les glissés, il est tombé. Les autres 4 personnes se sont levées et sont allées taper encore le père de la famille, pensant que c'était lui qui a fait tomber le garçon. Le garçon, bien sûr, il a rien dit. Donc, ils ont tabassé devant les fils, ses deux filles et sa femme. Bon, ok, il n'y a pas de virage, on reste debout, il y a des drapeaux, c'est bien bon pour ça, mais c'est quoi ce truc-là? Il doit être un commun, quand nous parlons ça, il doit être un commun entre supporters. Et le virage, ce n'est pas propriété des ultras, c'est des imbéciles. Un jour, pareil, je vais faire une vidéo, je suis créé au virage. Moi, j'en ai fait partie il y a les 80, et c'était à l'époque où il y avait les skinheads, et ce n'était pas une belle époque. Mais moi, je n'allais pas attirer les coups de couteau des gens, et tout. Je fumais mes pétards, j'ai crié, j'ai supporté, ben, j'ai crié quand je voulais, j'ai chanté quand je voulais chanter, je ne suis pas obligé à chanter, quoi qu'il arrive. Je ne suis pas obligé. Voilà. C'est tout. C'est vrai qu'après, la personne, ils peuvent dire à la personne, écoute, nous, ici, c'est comme ça, on a le drapeau, c'est normal qu'on le met là-bas, donc tu peux monter plus haut, monte plus haut, tu seras plus tranquille. Ils peuvent leur expliquer à ce monsieur, à lui de le tabasser devant sa famille. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, et toujours, pensez à intervenir.